Souhaitant se venger du kidnapping dont il a été victime en 2019, j'avais zéro dans les poches. Mon gars! Aqua Babe, selon ses dires, se serait rendu dans le quartier de Maes, aurait fini en garde à vue et aurait été libéré pour vice de procédure. Il explique aujourd'hui son geste en disant ne pas avoir supporté une vanne de Maes et d'un internaute faisant allusion au kidnapping. Maes, il y a 2-3 jours, il a fait un showcase à Lyon. Qui a mis quoi? Fais-toi pas kidnapper en retour, là. Il déclare par ailleurs que s'il a l'occasion de faire fuiter l'album de Maes, il le fera. J'en ai rien à foutre de son album de merde, et si j'ai l'occasion de le leak, enfin entre guillemets, de le faire fuiter, je le ferai fuiter, je m'en bats les couilles. Moi, je lui ai donné rendez-vous, je l'ai pas vu. Maes a réagi aujourd'hui en repostant notre vidéo, tout en trollant et en remerciant Aqua Babe, qu'il surnomme Aqua Boulevard, pour la promotion gratuite que celui-ci lui a faite. Une réaction qui va sans doute faire bouillir Aqua Babe.